Bon, c'est bien beau d'avoir un domaine de prédilection, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Qu'est-ce qui va faire que cela va sortir du lot? Du théorique? Cela n'est pas forcément toujours facile, mais une chose est sûre, le théorique est toujours fascinant à écouter et encore plus à digérer par la suite, car au bout du compte, dans la théorie, le spectateur se retrouvera, aura la sensation d'apprendre énormément de choses, mais encore faut-il être intéressant et trouver la bonne forme, car sinon, tu tomberas rapidement dans le cours d'école et dans ce cas, ben, l'étudiant en cinéma ou le scolaire qui te regarde risque trop vite de se lasser de cela. Une prémisse qui peut sembler pas toujours juste, mais qui peut donner sur le long terme quelque chose de très intéressant sur YouTube. De la pratique, ça manque beaucoup aujourd'hui sur Internet, car nombreux sont ceux qui en parlent, mais peu sont ceux qui choisissent de le montrer, d'être un acharné qui va sur le terrain et qui cherche à montrer par A plus B ce qu'il aura vaguement expliqué, mais qu'il aura surtout réussi à montrer avec un pragmatisme et une passion évidente. Puisque lorsque l'on montre ce qui nous passionne, on est toujours encore plus passionné par ce qui se passe. Et ce qui, en un sens, se réalise sous nos yeux admiratifs de fans et de passionnés également. Une bonne manière de parler de sa passion. Mais c'est pas si facile que cela à mettre en place, et en plus, cela peut paraître anecdotique, mais c'est très onéreux. De l'humoristique en jouant avec le détournement éducatif et pseudo-comique de ce que l'on veut partager. Personnellement, je ne suis pas hyper fan de cela, car souvent la démarche demande un vrai talent, que peu de personnes peuvent mettre en place. Mais si tu estimes savoir comment pouvoir faire rire avec ta passion, j'ai envie de te dire pourquoi pas, lance-toi, tu verras bien si cela marche, mais sois sur tes gardes, car il serait tout à fait possible que tu ressortes un peu déçu de cette idée. Car l'humour n'est pas chose donnée à tous, et en plus derrière, il faut qu'au-delà de faire rire, bah ça tienne un petit peu la route. Je pense que ces trois modèles de contenu démontrent de manière synthétique que sur YouTube, il y a vraiment différentes formes pour différents contenus, mais que chacun, à leur manière, arrive à parler de la passion d'un jeune créateur qui a envie de partager quelque chose de plus que simplement sa passion, justement. Qui a envie de partager un peu de sa personne dans le parler et le phrasé d'une vidéo qui le représentera et qui lui permettra de donner lieu à ce qu'il a envie de voir et surtout de dire sur sa chaîne. La question suivante est un petit peu complexe, mais reliée directement à cette thématique. Qu'est-ce qu'on doit retenir de ta vidéo ?